Oh, qu'est-ce que c'est, mon précieux? Mon précieux! Mon précieux! Stracy? Dodo, voilà. Voilà, la tension est palpable, attention. Oh! Et derrière. Double hit, let's go! Let's go! Let's go, les amis, let's go! Un remontoir. Oh! Code blanc, les amis! What the fuck? Baby glissade. Oh! Oh! Oh, c'est une V-Star. Ah, je suis désolé, c'est la pire TG qu'on pouvait avoir. Mais quoi? Mais elle est trop belle! Elle est trop belle! Collé au dos. Les amis! Les amis! 3, 2, 1... Oh! Eh bien, bonjour à toutes et à tous, si c'est jeune, mais si je vous retrouve dans une nouvelle vidéo... Plus sérieusement, bonjour à toutes et à tous, c'est Sacha Nobisso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez découvrir le plus gros item jamais ouvert. C'est un box break aujourd'hui les amis, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir le box break et toutes les dingueries qu'on va avoir dans cet item Pokémon. Je ne peux que vous inviter à liker cette vidéo, objectif 25 likes et c'est parti. Box break display, let's go. Sous l'accord de Dracaushield, pour le projet, il a accepté que j'ouvre la display en vidéo et tout simplement, vous pouvez le retrouver sur Insta. Son compte s'affiche actuellement à l'écran pendant que j'essaye d'ouvrir la display. C'est vraiment une personne incroyable. Maintenant, on est parti pour l'opening de cette magnifique display origine perdue. C'est parti les amis. Premier booster de la display. Avant d'ouvrir le premier booster, je tenais à remercier Dracaushield, merci de ta confiance. Tu m'as envoyé le plus gros colis qu'on m'a fait pour tout le projet, vraiment, c'est le plus gros item. Donc on est parti pour le premier booster, c'est parti. Vraiment, je suis super content, c'est vraiment les premiers boosters origine perdue que je vais ouvrir. Du coup, on est parti, booster numéro 1. Donc là, code blanc, ok. Voici le code pour vous. Les fans de JCC Pokémon Online. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est parti, premier booster. Restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo m'a demandé énormément de montage, énormément de préparation. Donc lâchez votre petit pouce bleu, abonnez-vous et restez bien jusqu'à la fin. C'est parti, Dynavolt. Fantominus. Et je découvre les cartes, hein, vraiment. C'est les premières cartes que je vois au Permine. J'ai jamais regardé de vidéo avant. Cornèbre, Chenipot, Énergie Feu, Pifeuille, oh il est stylé Pifeuille, ok, Chartor, ok, Marcia, Percupio Reverse, et derrière on a hop, un Lamantine, super beau Lamantine. Et on est parti pour le deuxième booster. Oui, j'ai commencé là avec un booster, le nom de Pokémon, je sais pas du tout. Hein. Qui est Amovenus. On enchaîne avec un booster Giratina. Code noir cette fois-ci les amis, attention. Code noir, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est parti les amis, code noir, on espère... une V Max, une V Star, c'est parti, Rongourmand, celui-là je le découvre, Scorplane, non celui-là je l'avais déjà vu, Brocélum, je le découvre, Simularbre, idem, Archéomir, idem, Énergie Acier, ok, oh joli pour Porygon 2, ah, c'est stylé les effets qu'ils ont fait sur les cartes, dommage que ça brille pas, mais c'est vachement stylé, un Lac Messigne, un Ariyama, attention est-ce que derrière, allez d'un coup, Lumineon, ok en reverse, attention, 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 oh Blizzval holographique en rare, il est trop trop beau. Bon, un code noir, voilà, pas très, voilà, ça pique quand tu vois le code noir, mais bon, allez, elle est vachement stylée quand même, hein. Allez, c'est parti, ça part sous sleeve et on est parti pour le troisième booster. Troisième booster, Gardevoir Shiny, c'est parti.
partie. D'ailleurs, je sais même pas si dans l'extension, pour vous dire, je me suis pas du tout spoilé, s'il y avait des Pokémon Shiny. Troisième booster, code blanc. Bon, bah voilà, hein, code blanc, voilà, c'est le petit spoil Pokémon. Merci, hein, merci Pokémon. Merci Pokémon, c'est parti. Troisième booster. Booster like Blizzy. Allez, nouveau, on l'a pas encore eu. Machoc, ok. Oh, Pikachu. Oh, il est trop stylé. Trop stylé. Un Lipoutou. Un Funessir. Une Energio, ok. Un Chartor, ok. Doublon. Ok, ok. Un bah, Marcia, on l'a eu aussi. Porygon 2, ok. Après, on va beaucoup tomber sur des doublons. Après, non, c'est vrai, il y a quand même 196 cartes du set, plus les Gold et les Alt de la série. Papinox Reverse. Ouais, une rare Reverse, quand même. Et un Au Massacre. Bah, pas mal, pas mal. Un duo de rares, ici, dans ce booster. Donc, même si c'était un code blanc, voilà, c'est quand même pas mal. On est parti pour le quatrième booster, et cette fois-ci, on va ouvrir un Zoroark de Is. Oui, c'est parti les amis. C'est parti, quatrième booster, code blanc. J'ai pris 2 minutes à ouvrir le booster. No joke, j'ai dû utiliser mes ciseaux. Enfin bref, le code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah, on aimerait avoir des codes noirs. Et là, le seul qu'on a eu, on a eu une rare holo. Mystère, donc. Hexadron, nouveau. Petitard, nouveau. Scorplane, double. Mucuscule, nouveau. Énergie, psy. Expérience de Nicolas, est stylé. Armulis. Un Machoper. Une boîte à désastre, outil Pokémon, Reverse. Et derrière, on a un oh, Gerrand en rare. Et vraiment trop stylé. Vraiment trop stylé. Donc, c'est pas la meilleure carte que je pense on aurait pu avoir. Mais en tout cas, quatrième booster. Bon, jusque-là, la display, elle monte pas très très haut. Hein. Mais enfin, bref, c'est parti pour le cinquième booster. Allez, s'il vous plaît, code noir. S'il vous plaît. Oh non, un code blanc encore, encore, mais quand est-ce qu'ils mettent des codes noirs, sérieux? Cela dit, on pourrait quand même avoir des trucs de bug, c'est-à-dire qu'ils mettent des codes blancs, mais qui aient quand même des trucs. Ouais, ça peut arriver, hein, Pokémon n'est pas infaillible. C'est parti, Rhinocorne, nouveau Kakuma, nouveau Roselia, nouveau Mucuscule, nouveau Magistica, nouveau, non Mucuscule c'est pas nouveau, énergie, Ténèbres Cardius, nouveau Archéodon, nouveau Expert Niloka, doublon Simularbre, Reverse, parfait, 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 et un Brunet en rare. Bon, Simular est quand même stylé en reverse, je trouve. Sixième booster, Zoroark de Isui. En tout cas, c'est parti, encore un code blanc, malheureusement. Les amis, on n'a pas du tout de chance dans cette display. 1, 2, 3, 4, 1, 2. En tout cas, ça me fait super plaisir d'ouvrir une display en vidéo, comme ça, ça change de d'habitude. Et vraiment, c'est la première fois que je fais ça, c'est incroyable. C'est parti, Kaninos de Isui. Quanoton. Rokabo. Otaria. Zorua de Isui, il est trop beau. Hein. Il est trop beau en blanc et rouge, il est trop beau. Énergie plante. Ortide. Luminéon. Portail Mirage. Encore une carte avec les effets, on dirait Giratina. Armand en reverse. Et un Porygon Z. Bon, on passe au 7ème booster. Allez, c'est parti. S'il te plaît, Giratina. Donne-moi un code noir et donne-moi ma première ultra. Attention, c'est un code noir, let's go! Allez, on va pas crier victoire trop vite. On va crier victoire trop vite, attention. La tension est palpable. Là c'est le deuxième code noir de la display. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, on espère ne pas avoir encore une vieille rare holo. Ah, au minimum une TG, allez, c'est parti. Je sais pas s'il y a un truc, je sais même pas s'il y a un truc. Allez, en chouette. Elionceau, Kung Fuin, Funessir, Blizzy, Énergie électrique, Ville perdue, Stracy, Dodo Ala. Oh, la tension est palpable, attention. Ectoplasma TG qui tombe. Trop, 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 trop belle. Trop belle. Et derrière,
Double hit, let's go, let's go, let's go les amis, let's go. Double hit qu'on met directement sous sleeve. Waouh, les premières ultras qui tombent, les premières ultras qui tombent, let's go, je le savais, c'est... Si vous tombez sur des boosters Giratina à origine perdue dans les magasins, achetez-les direct. Achetez-les direct. Waouh, trop bien. J'adore. On est parti pour le 8ème booster. Je prendrai pas Giratina tout de suite parce que j'ai vraiment envie de garder le suspense jusqu'au bout. On va prendre le garde-voir Shiny. Et c'est parti. Ah, vraiment, le double hit était vraiment incroyable. Là, on arrive sur le 8ème booster, aussi un code noir. C'est aussi un code noir, les amis. Attention. Attention, là on va pas prier le double hit parce que ça va pas se faire deux fois d'affilée, je pense. 3, 4, 1, 2. Attention, attention, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? L'attention est palpable. Mélofée, c'est parti. Exelong, Hippotrempe, Polichombre, Sans Coquille, Énergie Combat, Colimucus de Isui, Lampérois, Lac Messigne. Ok, Misterbe en reverse, je crois qu'on a rien les amis. Misterbe en reverse et... Oh, joli. Joli. Beaucoup moins fou que les deux ultras là qu'on vient d'avoir, mais franchement, il est stylé. Bon bah c'est parti pour le 9ème booster. Le 9ème booster est ouvert, attention c'est un code blanc. Voici le code pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Et donc, c'est parti, Ptytar, Misterbe, Caninos de Isui, Grenypiot, Limagma, Énergie Feu, Chimera, ok, très stylé, Énergie Cadeau, ok, on l'avait pas eu, Blizzaroi, nouveau aussi, un Lugulabre en reverse, et bah c'est trop stylé, ouais, d'ailleurs j'ai rajouté mes deux petites holographiques, parce que voilà, c'est quand même deux holographiques très très belles. Donc là, on a encore une rare reverse, donc c'est vraiment trop stylé. Et on a Mimiki. Oh, Mimiki, c'est parti pour le 10ème booster. Ouais. Le 10ème booster et le garde-voir Shiny. Oui, j'ai toujours pas touché au Giratina qui est juste là. C'est parti pour le 10ème booster. Attention, code. Noir. Ah. Le petit garde-voir Shiny qui va nous sortir une ultra rare. Allez, 10ème booster. Pourquoi pas? Allez, on y croit, le code pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Attention, attention, code noir, allez, c'est parti. Grenypio, Hippotrempe, Meditica, Sans Coquille, Kung Fuin, Énergie Feu, Ariyama, Spectrum, trop stylé, Tetart, ouais, il est beau aussi. Oh non, je me suis spoil. Oh non, je me suis... Oh, waouh, il est trop beau. Il est trop beau, les amis. Waouh, ce duo-là, trop, 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 trop beau. Allez, c'est parti pour le 11ème booster. Ce nuage rose que je connais pas encore son nom parce que je l'ai pas encore tiré. À Mauvenus. C'est parti. Bon, 11ème booster. Assez beau blaté sur ce sujet. Code blanc. Très bien. Un code blanc... connaît, il y aura rien, puis voilà. Allez, hey, on espère vraiment d'autres codes noirs. Hein. Jusque là, terme chance, on n'est pas très très haut. Mystère, bon. Love Disc, on se décourage pas pour autant. Hexadron, Ptytar, Scorplan, Energy Psy, Rhinophéros, nouveau. Voilà. Oh, Roserade aussi. Colimucus de Sui, on l'a. Oh, joli, encore une rare. Holo, une rare reverse, pardon. Donc le Nemelios, très 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 stylé. Et un Spiritomb. On est parti pour le 12ème booster, les amis. Bon, code blanc, déjà c'est super. Mais il faut quand même que vous sachiez que les boosters, tous les boosters que je joue dans cette vidéo, c'est des boosters qui vont être dans le projet. Ce n'est pas pour moi. Voilà, ce n'est pas pour ma collection personnelle, c'est que des boosters que j'ouvre certes en vidéo, mais qui seront bien évidemment dans le projet. Voilà, donc on est parti, code blanc, et c'est parti. Je ne sais pas si vous avez bien vu le code, ouais, au moins là c'est sûr. 1, 2, 3, 4, Undo. Dynavolt, Cornèbre,
Polichombre, chenipote, anchouette, énergie acier, armand, pifeuille, bras à remontoir. Oh, code blanc les amis, what the fuck. Oh, oh, mais c'est que c'est joli ça. Oh bon. Farfurex de Isouir, adieu, je savais même pas que c'était possible dans les boosters, code blanc. C'est plein d'émotions, hein, ce genre de vidéo, vous vous en rendez pas compte, c'est un truc incroyable. Et bah comme ça, vous savez maintenant que dans les codes blancs, et bah on peut avoir des radieux. Mais c'est parti pour le 13ème booster. C'est parti. Code blanc les amis, mais vous voyez, depuis ce booster, je ne perds plus espoir. Code blanc, c'est parti. Allez, le magma, c'est parti. Melofey, cap humain, Mimigal, Funessir, énergie ténèbres, Mélancolus, très très stylé, Capidextre, pompe à dégâts. Il est trop beau, mais vraiment, ça fait la deuxième fois que je l'ai. Et là, il est en reverse déjà, donc il est encore plus stylé, mais il est trop trop beau. Et un Tarpeau, c'est parti pour le 14ème booster. Bon, c'est parti, 14ème booster, c'est parti. Code noir. Code noir, allez, on est parti. Allez, on va essayer de taper une petite ultra là. Allez, je le sens bien, l'ultra là qui va tomber. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est parti les amis. Go. Il y a un truc. Oh les amis, oh non les amis, il y a un truc. Oh, il y a un truc. Oh, il y a un truc. C'est parti, Misdibule. On va faire une baby glissade. Limagma, ok. Melofey, la tension est palpable. Je l'ai vu. J'ai vu le petit brillant au-dessus. Roselia, Sepiatop, énergie, combat. Graham, Stracy, masque de panique. Ah, je panique, oui. Oh, ok. Alors, un Parasect Reverse, c'est stylé. Déjà, on a une rare Reverse dans ce booster. Baby Glissade. Oh, oh, c'est une V-Star. Oh, c'est un combat. Attention. Oh, il est trop beau. Eh vraiment, on a commencé avec du flop, on enchaîne les masterclass. Incroyable, c'est parti pour le 15ème booster. Regardez, encore un code noir. Punaise, c'est quoi cette chance? Là, on espère une gold. Allez. Mais cette ribambelle de cartes, après, je me rends pas compte parce que c'est ma première display, mais waouh, c'est incroyable. Hein. Pour moi, c'est le rêve. Paras, Sepiatop, Bargantua de Isui, Brocélum, Makuhita, Énergie Ténèbres, Roserad, Chimera, on l'a déjà eu. Arcoudong, ça commence. Oh là là. Ah, je suis désolé, c'est la pire TG qu'on pouvait avoir. Ah, le Rafflesia Holo, il est même mieux que. Que la TG. Bon, on se retrouve tout de suite pour le 16ème booster. Ouais, code blanc. Allez, le code pour vous, le 16ème code de cette vidéo. On est bientôt à la fin, enfin bientôt à la moitié, pardon. Caninos de Isui, Quanoton, Rocabo, Otaria, Zorua de Isui, Énergie Plante, Mademoiselle. Oh, une nouvelle carte. Melancholux, Graham, encore. Limagma en reverse et. Oh, Migalos, il est stylé. C'est parti pour le 17ème booster avec Zorak de Isui. Parfait, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est parti. Love Disc, Porygon, oh, nouveau. Larvadar, nouveau. Écaillon, nouveau. Mimigal, nouveau. Paye donc, énergie électrique. Blizzard, on l'avait déjà. Rhinophéros, on l'avait déjà. Dodo Alan, on l'avait déjà. S'il vous plaît. Oh, il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière, Blizzard War Reverse. J'ai vu qu'il y avait un truc derrière. Il y a un truc derrière, Baby Glissade. Je m'en fous, Baby Glissade. Oh, c'est une V, je m'en fous. Oui, oui, oui. Mais il est trop beau. On est parti pour le 18ème booster. C'est bon, j'ai compris ce que la display voulait me dire. On va ouvrir un Giratina. Allez, c'est code blanc, mais on y croit. On y croit, la petite radieuse là. Allez, c'est parti. On va faire le 18ème booster. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Attention.
Archéomir, je crois qu'on l'avait pas. Blizzy, on l'avait déjà. Liputo, on l'avait déjà. Sepiatop, déjà. Rongomon, déjà. Énergie feu, déjà. Ok. Oh, bah déjà, ok. J'ai raté une carte, le coup de langue, qu'on n'avait pas, je crois. Corbos, reverse rare. Et derrière, on a un... Ouh, mais c'est magnifique ces cartes. Mais vraiment, elles sont trop belles. Hein. On est parti pour la deuxième partie de la display avec le 19e booster. Un... Oh non, pas lui. Un... non, j'ai envie de le garder à la fin, lui. Un garde-voir shiny. C'est parti. 19e booster avec un code blanc. Voilà, du coup, j'ai bien fait de pas prendre le Zoroark de Hisui, je pense. Tout de suite, en tout cas, parce que du coup, ça veut dire qu'il a un code noir. Ou alors, pas du tout, je me trompe totalement. Un petit Inchwatt, un Elionsu, un Kunfuin, un Funeshir, un Bleji, une énergie électrique, un Pifeuil, un Relicant, un aspirateur perdu, on l'avait pas, du coup c'est cool. Un autre Pifeuil, il nous suit partout, et un Papinox qu'on avait déjà en reverse, du coup c'est nul. On est parti pour le 20e booster. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un don, hein. C'est encore un code blanc. J'ai vraiment l'impression d'avoir un don et que je garde vraiment les meilleurs boosters pour la fin. Si c'est ça, c'est vraiment masterclass. Hop, le code pour vous, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bargantua de Hisui, Liputu, Makuita, Arcomir, Hexadrone, Energy Psy, Lumineon, un portail Mirage, un Machopper, un... Oh, Rocabo, Reverse, je crois qu'on l'avait pas du tout. Ah si, on l'avait déjà eu. Et un Rongrigou qu'on n'avait pas encore. Du coup, c'est cool. Du coup, on est parti pour le 21e booster. On repart sur un booster nuage dont je ne connais toujours pas le nom. Bon, est-ce qu'on est surpris du code blanc de ce booster? Non. Pouf, le code pour vous. J'ai plus de place, mais c'est pas grave. On va en trouver. 4, 1, 2. Scorplane, Shunipot, Rhinocorne, Cornebre, Hippotrempe, Énergie, Ténèbres, Ténèbres. Oh, Énergie Combat. Lampérois, je commence à fatiguer. Caisse à outils, Ortide. Je pleure. Je pleure. Je vous jure. Oh non, les gens. Punaise, je m'y attendais tellement pas. J'y suis allé vraiment rapidement. Mais quoi? Mais elle est trop belle. Mais... Wow, c'est la première fois que j'ai une TG comme ça. On passe au 22e booster, voilà, le shiny garde-voir, c'est parti. Mais là, c'est parti. On va encore avoir une ultra rare, je le sens gros comme une maison dans ce 22e booster. 2, 3, 4, 1, 2. Allez. Et sinon, on dit un truc, on pronostique un truc. Double hit, voilà, dites-moi dans les commentaires tout de suite si vous pensez qu'on a un double hit dans ce booster. C'est parti. Rengourmand. Du coup, là, je vais tout doucement. Scorplane. Procellum. Simularbre. Ok, jusque-là, tout va bien. Archéomir. Vraiment, le design de cette carte est incroyable. Énergie acier. Ville perdue. Hypocéan, qu'on n'avait pas encore. Du coup, ça, je me dis qu'il nous manque Hipporoi. Coléodome. Est-ce que j'ai le droit de faire un arrêt cardiaque, les amis? Je vais faire un arrêt cardiaque. Oh non! Les amis! 3, 2, 1... Oh! Le Pikachu Max Gold qui tombe! Mon Dieu! Et derrière... Oh! Le double hit magnifique! Mais non! Mais c'est quoi cette chance? Ce Pikachu VMAX Gold! Mais non! Oh là là! Oh mon Dieu, les amis! J'ai pas les mots! J'ai la dernière carte du set! C'est exactement la 196 sur 196. Mais je sais plus quoi dire. Il nous reste encore plein de boosters. Le Pikachu VMAX Gold qui tombe. Mais les amis, c'est incroyable. Mais vraiment, cette chance. Dites-moi si vous pensez, si vous savez surtout, si on a dépassé le quota de display. Mais vraiment, cette display est incroyable. J'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça, c'est la première fois que j'ouvre une displacée, j'ai jamais vu ça. 23ème booster. Le pire, les amis, c'est que j'avais pronostiqué double hit. Et là, on a encore un code noir avec ce même booster. 1, 3, 4, 1, 2. Non mais comment vous voulez que je me calme avec toutes les cartes qu'on a, Mistybull, hein? Dis-moi, comment tu veux que on se calme avec toutes les cartes qu'on a? Hein? Tu me diras ça en commentaire, Mistybull, hein, sans coquille, Opermine, Porygon, Quanton, j'oublie qu'on a un code noir, donc on va aller doucement, énergie plante, boîte à désastre, Archéodong. Ok, expérience de Nikolai. Ok. Une petite reverse sympathique. Et derrière... Wouah! C'est tellement moins impressionnant que le Scolosang VMAX, le Percupio ou les autres. C'est parti pour le 24e booster, enfin. Les amis, je crois que je vais encore pleurer. C'est encore un code noir. Ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais je tremble de ouf. Là, je vais m'amuser à monter énormément cette vidéo. Mais je tremble de ouf. Encore un code noir. C'est parti les amis. Un Scorplane encore. Un Chenipot. Rhinocorne, c'est parti. Cornèbre, Hippotrempe, Énergie combat, pompe à dégâts, c'est vipère, qu'on n'avait pas encore. Donc ça c'est très stylé. J'essaie de me calmer mais c'est pas facile. L'immonde de galère qu'on n'avait pas encore. Un Capidextre Reverse, attention. Oh, il est trop beau. Bon. Ça va, on est un peu redescendu sur Terre. Là. C'est parti, les amis, 25e booster. Pour ce 25e booster, nous avons un code blanc. Allez, le code pour vous, c'est parti. Du coup, le code, il est là. 25e booster. 1, 2, 3 et 4, 1, 2. C'est parti, petit oracle. Mystère, Kaninos de Hisui, Grenipio, Limagma, Energif, Porygon 2, Laxavoir, Stracy. Si je me suis encore fait avoir. Une TG, mais attendez, une TG dans un booster avec un code blanc. Je dis oui, parce que pour le projet, c'est juste incroyable. Mais pourquoi? Enfin, c'est un code blanc. À moins que j'ai raté une mise à jour des boosters, mais... Waouh! Alors, c'est parti. Toujours suivre son instinct, toujours. 26e booster, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on est parti. Larvadar et Caillon. Oh, mais vraiment, c'est pas possible! Encore lui! C'est pas possible, je le mets de côté direct. Paras, Sepiatop, énergie, eau. Les quoi? Les détrousseurs. Oh, joli jeu de mots. La Shaofuin qu'on n'avait pas encore. Laxavoir qu'on n'avait pas encore. Hyporoi. Let's go! Let's go pour un booster avec un code blanc, c'est super. Et un Rina. Bah parfait. On est parti pour le 27e booster. C'est parti! Il y a un truc à la fin très spécial. Si vous êtes toujours là, vous êtes les boss. Voilà, tout simplement. Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Je suis toujours là. C'est parti pour le 27e booster. Dites-moi dans les commentaires si je suis daltonien, bien sûr. C'est parti. Je commence déjà à trembler. 4, 1, 2. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans ce 27e booster avec un code noir? Je crois que j'ai vu un truc. Ça m'étonnerait pas. Rhinocorne. Capumain. Roselia. Mucuscule. Meditica. Énergie ténèbres. Tritosaur qu'on n'avait pas encore, donc c'est vachement stylé, vachement stylé. Mélancolux. Ok, énergie cadeau derrière. Ok, Porygon en reverse. Et là, qu'est-ce qu'on a en... Allez, une petite V. Oh, une holo, c'est vrai qu'on a... Je m'attendais pas à ça. Et c'est parti pour le 28e booster. Oula. 28e booster, c'est parti. Le 28e booster est encore un Zoroark. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dynavolt, Fantominus, Opermine, Cornèbre, Chenipot. Voilà, le truc V-Star qui sert à que dalle, à part pour ceux qui jouent au JCC Online, et sauf que le problème c'est que je l'ai déjà. Donc hop, on le met dans le décor. Cardus, Shaofuin, Mademoiselle qu'on n'avait pas, donc c'est parfait. Oh, le Dolman Reverse, il est stylé avec les trucs autour.
Et à Maguerna, parfait. Alors je crois que la vidéo s'est coupée, mais c'est pas grave. Parfait, parfait, on est parti pour le 29e booster, les amis. C'est parti. C'est parti pour le 29e booster et après on passe à tous les giratines en espérant avoir un truc. Pour ce dernier nuage, c'est un code blanc. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça collait les cartes, il y a peut-être un truc. On y croit, on y croit, on y croit. Exadron, Titar, Misterb, Caninos de Isui, Excellent, je crois qu'on l'avait pas, c'est parfait. Énergie électrique, reliquante, aspirateur perdu, Blindalis. Oh, Smarkeus, oh, on l'avait pas, c'est parfait. Et le Dolman qui tombe. On est parti pour le 30e booster. 30e booster dans une vidéo, vous imaginez les gens, c'est parti, le premier Giratina, oui. Tout à l'heure, j'avais prognostiqué un code noir sous ce booster. Est-ce que c'est véridique? C'est véridique. Oh les amis, j'aurais dû écouter mon instinct tout à l'heure. 30e booster, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Attention, c'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir? Un Misdibul, sans coquille, Opermine, Porygon, Quanton, Énergie Plante, Tritosaur, Smarkeus, Charmina, on l'avait pas encore, c'est parfait. Oh, c'est quoi? Oh, oui, oui, let's go, let's go, double hit, les amis, deuxième radieuse avec un goût plein V dans le booster Giratina, let's go. C'est incroyable, c'est pas possible, mais what? What? Double hit, les amis, c'est incroyable pour ce 30e booster. On passe au 31e booster, encore un Giratina, c'est parti. Pour le 31e booster, on a un code blanc du Giratina. Un peu déçu quand même. Mais bon, on va pas se plaindre quand même de tout ce qu'on a eu jusque là. Peut-être que dans le dernier booster, il y aura encore un gros hit. On espère en tout cas. C'est parti, 31e booster. On commence avec Blizzy. Tranquille, Machoc, Pikachu. Deuxième Pikachu, trop stylé. Lipoutou, Funessir, Énergie O, Coléodome, Masque de Panique, Hypocéan, Love Disc et Parasect. Ouais, bon, celui-là, je l'ai enchaîné. Et on passe du coup au dernier booster de la vidéo. Et après, je vous explique ce qu'on fait des 4 derniers boosters. C'est parti. S'il te plaît, Giratina, je ne te demande pas grand-chose. Juste un code noir. Juste un code noir pour le suspense jusqu'au bout, les amis. On espère le code noir. C'est parti. 3. 2, 1, et bruh, c'est un code blanc. Ça n'exclut pas le fait qu'on puisse avoir une radieuse, car on en a une tout à l'heure. Le stress est à son comble. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est parti. Mélofée. Maintenant, il suffirait d'avoir des nouvelles cartes du set. Excellent. Hippotrempe. Polichombre. Sans coquille. V-Star, le truc qu'on a déjà eu une fois et ça casse bien les pieds. Reliquante, ceci dit, c'est quand même ce qui remplace l'énergie, donc à la limite je préfère avoir ça. Aspirateur perdu, Armulis, le Tinavolt qui tombe en reverse, et on termine avec un petit Volcaropod qu'on n'avait pas encore. Écoutez les amis, on montre et on explique ce qu'on fait avec les 4 derniers boosters, et après on passe au récap de la vidéo, juste les cartes les plus belles. C'est parti! Les 4 boosters donc non ouverts sont les 4 présents, donc un Giratina, un Gardevoir, un, on sait toujours pas le nom, et un Zoroark de Isui, scellé du coup. Je les mets avec toutes les cartes qu'on a eues dans le lot que m'a envoyé Dracosild dans la display qui est juste incroyable. Tout simplement comme ça, la personne qui recevra toutes ces cartes aura quand même la possibilité d'ouvrir des boosters et donc d'avoir toutes les illustrations, ou alors pourra garder justement ses boosters dans sa collection sans les ouvrir. Et c'est pour ça que j'ai gardé une illustration de chaque. Maintenant, on est parti pour le récap de toutes les meilleures cartes qu'on a eues dans cette display. C'est parti! Alors, mon petit chouchou Zorua de Isui, qu'on a eu en 3 fois plus Reverse, j'ai oublié la dernière. Oh, Zorua de Isui, c'est pas grave. On a eu Zoroark de Isui, on a eu Astronel en holo, Blizzval en holo qui est très stylé, Lugulabre en holo, Rafflesia en holo et Tangalis en holo. On a eu
Bon, on passera celle-là. On a eu Morpheo TG, Spiritomb TG, Ectoplasma TG, le Gardevoir Radieux qui est vachement incroyable. Il est juste incroyable. Et le Farfurex 2 Isui Radieux qu'on a eu dans un code blanc, on le rappelle. Hein. Ensuite, on a eu un Muplodocus de Isui V qu'on a eu en même temps qu'une autre carte, une autre TG, la Ectoplasma. Vraiment, c'était les premières ultra qu'on a eu dans le quatrième booster, il me semble. Ensuite, on a eu un petit Magnezone sympathique dans un des petits boosters random. Un Goupelin V qui est juste incroyable. Un Zoroark de Isui V. Bon, bah, c'est bon, hein, j'ai pas besoin de dire qu'il est juste trop beau. Ptera V-Star, juste incroyable. Perpukyo, juste incroyable, la dernière de la série. Le Scolossand VMAX, je m'y attendais pas du tout. J'étais dans un booster code blanc. Et le Pikachu VMAX Gold. Donc je suis trop content de l'avoir eu. Trop content que Dracaussild m'ait fait confiance pour ce projet. D'ailleurs, si vous êtes resté jusque-là, bah maintenant vous savez la date. Pour tous ceux qui sont pas restés jusqu'à la fin, vous n'avez pas la date. Le projet sera lancé, c'est-à-dire que c'est un truc qui va s'organiser sur la chaîne avec tous les abonnés. Donc si vous êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous. Ça se lancera mi-novembre, début décembre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, likez. Et abonnez-vous.